Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 3 mai 2021, 16h49, heure du Québec, dans un froid de canard ici au Québec. Fait pas chaud. Le mois de mai va être apparemment beaucoup plus froid que la normale, au moins jusqu'au milieu du mois de mai. Mois d'avril, on a eu quelques journées intéressantes. Pour le reste, c'était presque la continuation de l'hiver. Donc, tout est en montagne russe. Hein? Nos émotions sont comme ça. La pandémie est comme ça, puis le climat est comme ça aussi. Hein? Pour ceux qui s'inquiétaient d'un changement de degré, changement de température avec une augmentation d'un degré ou un demi-degré ou même deux degrés, moi je ne sais pas ce que ça va changer dans nos vies, entre vous et moi. Là. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un scientifique, mais je ne pense pas que de passer de moins 28 à moins 26, ça fasse que je n'aurai pas besoin de mon manteau d'hiver et de mes bottes d'hiver, comme je ne pense pas que parce qu'on est en canicule, puis qu'il fasse 32 degrés, parce qu'on va souvent nous parler de la chaleur, puis de la chaleur extrême, dans les périodes de canicule. Ce sont des périodes récurrentes qui reviennent toujours. Il y a des fluctuations de température parce que le climat change et change et change. C'est cyclique. Il y a des périodes où il a fait 5, 6, 7 degrés de plus, puis on est en 2021, puis on est encore là. On est en 2021, la glace est encore dans l'Antarctique, la glace est encore dans l'Arctique. Il fait encore froid au mois de mai ici. On a eu encore de la neige partout dans le monde, même que ça a peut-être été une année record de neige pour les pays qui reçoivent de la neige, puis même ceux qui n'en reçoivent pas depuis 3 à 5 ans, comme le désert du Sahara, on reçoit de la neige, l'Arabie Saoudite a reçu de la neige, l'Algérie, le Maroc, le Japon a reçu de la neige de façon record, la Suisse, l'Italie. Hein? Donc, il faut absolument rationaliser tout. Puis, on n'est pas des experts, nous autres. On n'est pas des scientifiques. Mais on a quand même ce qu'on appelle le gros bon sens. Puis, à un moment donné, le gros bon sens, il te dit que oui, il y a des problèmes majeurs qui nous attendent. Avec le climat. Parce que le climat est changeant. Ça n'a pas toujours été. Même si parce que... Nous autres, on a vécu une période d'accalmie pendant 35, 40, 50, 60 ans, 70 ans. 100 ans, tu sais, où c'était pas mal géré de façon presque chronologique à la façon suisse. Hein? Printemps, été, automne, hiver, c'était pas mal bien équilibré, puis ça respectait les dates. Mais ça, c'était une période, j'imagine peut-être, chanceuse, ou une période où on a été choyé. Et là, ça vient de changer. Il n'y a plus rien qui est comme ça. Tout est à l'envers. Puis là, tout le monde panique. Donc, t'en as, naturellement, pour des agendas politiques qui s'en vont dans deux extrêmes. Un qui est « Non, on nie tout » de l'implication des humains dans ces changements-là, parce qu'eux autres, ils ont un agenda économique, ils veulent te vendre du pétrole, puis du pétrole, puis du pétrole, puis du pétrole. Puis t'as l'autre agenda, plus gauchiste, qui lui s'en va dans l'autre direction. Lui, il veut tout t'enlever, puis il veut te contrôler, puis il veut te vider les poches, puis il veut t'imposer une autre forme d'énergie qui ne sera pas, dans un sens, sur certains aspects, va être bien meilleur parce que tu n'auras pas l'aspect du CO2 puis des gaz à effet de serre puis de la pollution et la dégradation de la qualité de l'air, mais tu vas continuer à exploiter les ressources naturelles, tu vas continuer à consommer quand même. Ça va amener d'autres problèmes qu'on découvrira plus tard. Donc, il n'y en a pas de solution miracle, sauf celle de revenir à un mode de vie plus simple, puis d'arrêter de consommer, puis de consommer, puis de consommer. Mais là, maintenant, on va laisser la Terre à la Terre, puis on va aller se promener un peu dans l'espace. L'espace qui est devenu maintenant un autre Capharnaüm. Comme si on ne s'était pas assez qu'on soit venu mettre le bordel sur le plancher des vaches, comme on dit par chez nous, il a fallu qu'on ait commencé à mettre le bordel en haut. On peut comprendre l'appétit humain pour la curiosité, la découverte, puis la découverte. Puis là, l'exploitation spatiale avec les nouvelles technologies, hein, l'arrivée de l'avion, la fusée, et ainsi de suite. Les satellites. On est allé embourber ce qu'on appelle la basse atmosphère, tu sais, où se trouve à peu près la station spatiale à 400 000 de la surface de la Terre. Puis là, il y en a, mon ami, les satellites. Tout le monde envoie des satellites. Elon Musk prévoit d'en envoyer 2-3 000
tu as d'autres concurrents qui vont faire la même chose. Il y aura tellement, puis déjà, il y a tellement de satellites que les astronomes amateurs et professionnels commencent à se plaindre de la luminosité, de la lumière, puis de ce qui se passe dans cette partie du ciel. Moi, je ne suis pas un expert, mais comme vous, je fais de la lecture, puis je me renseigne, puis je fais mes recherches, comme vous le faites. Il ne faut pas toujours que tu prennes tout pour du cash, mais ça, ce n'est pas de la conspiration, c'est de domaine public. Des débris, puis de la poubelle, apparemment, il y a juste ça en haut, puis ça cause des problèmes de plus en plus sérieux, autant à la station spatiale qu'aux satellites, qu'à d'autres aventures qu'on voudrait avoir là-bas, puis peut-être que tu en as qui vont nous tomber sur la tête, comme apparemment cette nouvelle-là qui nous est annoncée par Motherboard. Comme si on n'avait pas assez sur les épaules puis de pince à la planche, Motherboard qui nous apprend aujourd'hui qu'il y a une énorme partie de fusée chinoise qui effectue une descente incontrôlable vers la Terre. Déjà, on a les astéroïdes, on a les débris d'astéroïdes, on a les comètes. Puis là, maintenant, on aura les satellites à un moment donné aussi qui tombent. On en voit tomber des fois. Des fois avec plus ou moins de conséquences. Peut-être qu'un jour, il y en aura avec plus de conséquences. Tu as les avions déjà qui sont là continuellement, moins maintenant avec la pandémie. Mais on a vu des accidents aussi d'avions, des pièces qui sont tombées sur des maisons. Le propulseur de fusée de 30 mètres de haut et 21 tonnes lancé par la Chine la semaine dernière pourrait tomber dans des régions aussi éloignées au nord que l'État de New York et aussi loin au sud que la Nouvelle-Zélande. Un énorme composant de fusée que la Chine a récemment lancé dans l'espace est incontrôlable en orbite et devrait faire une rentrée chaotique dans l'atmosphère cette semaine, suscitant des inquiétudes quant à un impact possible dans une zone peuplée. Ça, c'est tout ce qui nous... On a vraiment besoin de ça en plus, comme casse-tête, comme angoisse, n'a pas assez. Les débris de fusée, dont le poids est estimé à plus de 20 tonnes métriques, éclabousseront très probablement dans les eaux océaniques éloignées, on l'espère. Mais leur trajectoire actuelle passe également au-dessus des zones urbaines, aussi loin au nord que l'État de New York et aussi au sud que la Nouvelle-Zélande, rapporte Andrew Jones de Space News. La fusée chinoise Long March 5B a décollé mercredi dernier et a réussi à mettre en orbite le premier module Tian de la nouvelle station spatiale du pays. Malheureusement, l'étage central massif de cette fusée, particulièrement connue sous le nom de CZ5B, s'est également retrouvé en orbite. Donc, chers amis, les pièces de fusée consommables qui entrent en orbite sont souvent équipées pour effectuer des brûlures de désorbitation des manœuvres qui les guident vers des rentrées contrôlées dans l'atmosphère au-dessus de la région non peuplée. Des trackers radars au sol ont révélé que le noyau CZ-5B de 30 mètres de haut dégringolait dans l'espace, confirmant que les responsables spatiaux chinois n'ont pas de contrôle sur le composant et ne peuvent donc pas effectuer une brûlure par désorbitation qui assurerait une rentrée en toute sécurité. Donc, wow! Moi, je ne sais pas, mais il y en a de plus en plus de ces histoires-là. Alors, on nous dit qu'il n'est pas inhabituel que des pièces de fusée ne se désorbitent pas en toute sécurité. Il y a quelques semaines à peine, le propulseur du deuxième étage de Falcon 9 de SpaceX a effectué une rentrée incontrôlée qui a finalement jeté un réservoir à haute pression sur une ferme de l'État de Washington. Cependant, la Chine a attiré une autre série de consternations et de réprimandes de la part des responsables des internationaux de l'espace en raison de la taille de son noyau CZ-5B, qui est environ 7 fois plus grand que le deuxième étage de Falcon 9. Donc, wow! Moi, je ne sais pas, là, mais préparez-vous, les années qui s'en viennent avec tout ce qui se passe en haut, puis ils sont de plus en plus nombreux à y aller, puis de plus en plus nombreux à mettre des satellites, puis de plus en plus nombreux à envoyer des fusées. Je vais te dire une chose. Wow! Je ne sais pas quel genre de parapluie ça va nous prendre, dans quel genre de matériaux, puis que nos maisons vont avoir besoin d'être construites en quoi pour nous protéger, mais le danger nous vient maintenant aussi de toute cette surexploitation spatiale. En tout cas, on va le savoir cette semaine. Là, c'est cette semaine qu'on devrait savoir ça. Je voulais vous partager ça parce que les dangers sont nombreux.